Les appareils gros électroménagers, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu mystique. Et pourtant, un lave-linge, c'est comme un Lego, il y a plein de petites pièces. Et pour une petite pièce grande comme ça, ça sert à rien de jeter l'ensemble. Notre mission, c'est de réduire les déchets électroménagers qu'on produit chaque année. Je travaille chez Murphy depuis plus d'un an. Je suis technicien itinérant. Dans ma journée, je vais voir plusieurs clients chez eux pour réparer leur électroménager. C'est là, ouais. Trouver la solution au problème, faire en sorte qu'un appareil soit sauvé, pour nous, c'est très, très important. Pour éviter voilà, qu'il y ait des appareils qui vont à la benne alors qu'il y a juste une pièce à changer. Ok, on, voit, là, bien, voyez, ouais, ouais. Ouais, on voit bien l'eau qui coule. Hein. Moi, ce que je veux, c'est vérifier là exactement que déjà dans l'appareil, au niveau des durites et tout ça, qu'il n'y ait pas, et des joints, qu'il n'y ait pas de fuite. Il y a un technicien qui vient assez rapidement. L'intervention, en fait, est garantie 6 mois. C'est-à-dire que si, du coup, il y a le même problème dans les 6 mois... Ils s'engagent à revenir, on voit combien on va payer. Je pense que c'est une conscience écologique que j'ai. Je me dis que vaut mieux essayer de réparer dans un premier temps. Murphy, c'est une entreprise de réparation d'électroménagers qu'on a créée il y a 5 ans. Aujourd'hui, en France, il y a 20 millions d'appareils électroménagers qui tombent en panne chaque année. Et quand les Français rencontrent une panne, dans 90% des cas, ils vont remplacer à neuf. Alors que une réparation sur deux qu'on fait aujourd'hui se fait sans changer de pièce détachée. On a reconditionné déjà 40 000 appareils, on en a réparé 200 000 à domicile. Et donc là, on va regarder un peu notre process de reconditionnement de bout en bout. On a un service qui s'appelle La Collecte, qui nous permet de récupérer les appareils directement chez nos clients. Il y en a un sur deux qu'on va réussir à reconditionner. Et sur ceux qu'on n'arrivera pas à reconditionner, on va les démonter en pièces détachées pour venir alimenter notre stock de pièces détachées d'occasion, qui nous permet d'avoir des réparations qui coûtent encore moins cher à la fin. Notre objectif, c'est que les produits qui sortent d'ici, ils soient faits pour durer plus de 5 ans minimum. Aujourd'hui, on souffre d'une pénurie de techniciens en France. Du coup, on a créé la Murphy Academy qui propose des formations certifiantes pour nos futurs réparateurs d'électroménagers. Alors, si ton flotteur il se lève, c'est qu'il doit y avoir une fuite quelque part. Par exemple, oui. L'arrivée d'eau, c'est vraiment, si ça fuit quelque part ici. Je voulais faire quelque chose qui m'intéressait, qui était utile pour la société. Je suis un peu bricoleur, mais je connais pas tous les termes. J'ai hâte d'aller chez les clients, de dépanner, de les voir ravis de pouvoir faire une réparation correcte. Murphy, c'est 350 salariés aujourd'hui. Notre ambition, c'est d'être plus de 700 à la fin de l'année prochaine. On a réparé aujourd'hui 200 000 appareils et en 2024, on a l'ambition de faire plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. AXA, c'est notre assureur depuis le départ. Alors ça, c'est le trophée RSE AXA qu'on a reçu l'année dernière et qui est venu nous récompenser de tous nos efforts sociaux et environnementaux et de la manière dont on sert notre mission. Et pour nous, c'était aussi important de partager ça avec un de nos partenaires, et en particulier notre partenaire qui gère à la fois les mutuelles, nos assurances risques, en fait toute la sécurité au sein de l'entreprise. Et d'avoir un partenaire qui partage nos valeurs et qui nous récompense comme ça, c'était quelque chose de très important pour nous.